Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo très spéciale. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo spéciale. Aujourd'hui les gens, on se retrouve sur The Pedestrian, j'espère que je l'ai bien prononcé. Alors pourquoi vidéo spéciale, vous allez me dire? Eh bien de une, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. De deux, je sais que vous aimez ça. Et de trois, j'ai un quota de vidéos spéciales à faire dans le mois. Et aujourd'hui c'est tombé sur The Pedestrian. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié la souris sur l'écran. Elle est là, mais c'est parce qu'on va avoir besoin de la souris pour jouer justement. Alors vous allez voir que The Pedestrian, c'est quoi? Eh bien c'est un petit jeu à mi-chemin entre le casse-tête et la détente, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympatoche avec la petite musique qui tourne derrière. Vous voyez, regardez, on passe des petites pancartes comme ça. Là par exemple, on est dans la phase tuto. Il nous propose d'appuyer sur F. Eh bien on appuie sur F tout simplement. Et là vous allez voir que, par exemple, voilà, on peut bouger ça avec la souris. C'est pour ça que vous allez voir le curseur de la souris. Là, ce qu'on va faire, on suit le petit tuto, donc on relie ça comme ça, voilà, on relie ça comme ceci, on rappuie sur F, et là, vous allez voir que toutes les pancartes, en fait, ils sont reliées l'une entre elles. Et là, du coup, on peut trouver la sortie bien gentiment. Donc, c'est plutôt cool. Alors, The Pedestrian, c'est un jeu gratuit. Donc là, pour le moment, on va dire que c'est un petit peu une démo. C'est un peu comme Raft, si vous voulez, c'est sur le même site et tout, vous pouvez soutenir les développeurs si vous le voulez. Et voilà, il est gratuit, il n'y a rien à payer, donc c'est plutôt cool. En tout cas, j'en profite à vous parler de jeux gratuits, les gens. C'est que si vous voulez des petits jeux en ce moment, il y a G2A et il y a de grosses promos en ce moment. Je vous conseille d'aller y faire un tour, vous avez toujours le petit lien dans la description. C'est bien cool. Et c'est parti, mon vieux, regardez ça. Alors là, on va appuyer sur le petit bouton de l'ascenseur bien gentiment. Écoutez la petite musique qui tourne derrière et tout. Hein? Alors, petite harpe et tout, là. Ça déchire. Donc du coup, ça va être par ici. Ok, voilà, on va passer comme ça. Et là, je pense que les casse-têtes vont commencer ici. Donc au début, à mon avis, ça va pas être de gros casse-têtes. Quoique. Alors par exemple, on peut faire ça. Et on pourrait faire ça, voilà, comme ça. On appuie sur F à chaque fois, on passe. Et franchement, le principe du jeu, moi je trouve ça vachement sympatoche. Et c'est la merde là. Là c'est la merde, attendez. C'est la merde là. Oui, je sais comment qu'on va faire. Regardez, je sais exactement comment qu'on va faire. Regardez, hop, voilà, c'est très simple. On va faire, on va plutôt relier, arrête donc, on va plutôt relier celui-là en haut et celui-là à la sortie. Ce qui fait que quand on va passer cette porte, on va atterrir en haut, on pourra descendre et là, tac, tac. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? C'est un petit peu du casse-tête quand même, mais c'est franchement cool. Regardez ça, hop, impeccable, un petit tour en bas. Et le tour est joué. Hop, hop, hop. Nickel. On atterrit ici. Donc là, ça va être toujours les mêmes casse-têtes. Mais, ah, d'accord. On a un petit tuto ici, vous voyez? Là, on va pouvoir utiliser des échelles. Donc ça, ça va être cool. Et c'est bien la merde. Attendez, je suis déjà en train de bloquer sur le troisième niveau, là. C'est quoi ce bordel? Bah ouais, mon vieux, tu m'étonnes. Vidéo spéciale. Bah tiens, je l'ai pas loupé, celle-là. Alors, attendez. Bah non, c'est bon. Non, comme ça. Impeccable. Regardez. Hop, 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 hop. Nickel. Impeccable, franchement. Nickel. J'imagine que ça va être de plus en plus dur. Forcément. Alors attendez, réfléchissons. Réfléchissons. Par exemple, ce qu'il y a, c'est que les trucs ils sont pas dans l'ordre. Donc c'est un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, c'est un petit peu chaud quoi. Ok, d'accord. Donc là, faudrait plus qu'on fasse, par exemple, voilà, qu'on mette ça comme ça. C'est vraiment un casse-tête, je vous jure. C'est un truc de fou quoi. Voilà, plus comme ça, voilà. Ensuite, qu'on fasse plus, pourquoi pas, comme, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Vous voyez que c'est quand même un petit peu casse-tête. Voilà, ce qu'il faudrait plus faire, je pense. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Nickel, tac, comme ça, et là, tac. Oh yes, oh yes, regardez ça. Regardez ça. Là, je pense que on est franchement pas mal. Tac, ok, tac. On monte en haut. Oh yes! La sortie! Alors, c'est qui le patron? Hein? Eh ben c'est impeccable, mon vieux. Bah celui-là. Ouh, comment qu'on va faire là? Ouh, ça s'annonce difficile. Allez, vas-y, on va essayer par là. Nickel! Alors là. Bon, là, très bien. C'est plutôt simple. Ça va se passer comme ça. Ok. Pour l'instant, sans trop de difficultés, on va dire. Ah! J'imagine qu'il faut choper la clé. Bon, tout simplement. Tac. Comme... non, ça passe pas. Merde. Attendez. Attendez, attendez. Comment... ah, c'est pas vrai, ça. Comment choper la clé? Ah, c'est eux. C'est marqué derrière, en fait. Ici.
D'accord, alors attends. Hop, E. Yes, regardez ça. Boum. Impeccable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bah ben, c'est parfait mon vieux. Attends. Réfléchissons. Un jour, un grand sage a dit: petit rouleau de printemps, prends ton temps, mieux vaut un M que trois Samoussa. Ce n'est absolument pas vrai au passage, mais ça sonnait franchement bien. Et si on la prenait plutôt comme ça? Oh! Ouais, facile. Ah, quoique non. Non, je raconte des conneries. Peut-être pas facile. Attends. Ah, si, facile. Attends. Facile, oui, non. Stop. Enlève-moi ça. Voilà, regardez. Hop, plutôt... comme ça, voilà, donc ça, voilà, plutôt comme ça, donc ici on prend la clé, tac, tac, on va ouvrir ici, on va remonter ici, voilà, et là du coup, on pourra monter là, oh yes, c'est bon, voyez, des fois il faut réfléchir un petit peu, donc là logiquement, si je descends, voilà, le plan se passe comme prévu, je ramasse la clé avec la touche E, je monte, je passe dedans, j'ouvre la porte, je monte, et je remonte. Oh yes! Alors, et ben c'est impeccable ça! C'est parfait! Et vous voyez que plus on avance dans le jeu, et bien plus ça commence à être la merde, tout simplement. Donc ça commence à être chaud. Faut vraiment commencer à réfléchir. Alors attends, stop, voilà. Donc... oui, effectivement, c'est bien la merde. J'ai tout capté, regardez. Il suffit juste... de prendre comme ça. Voilà, regardez, c'est bon. Il suffit juste de prendre comme ça. Tac, voilà. Donc ici, tac, voilà. Ici, on rejoint. Ah, attendez. Est-ce qu'on peut rejoindre comme ça? Yes, c'est bon. Normalement, c'est tout calculé. Tac, ok. Tac. Très bien, on prend la clé. Je descends, j'ouvre. Et la sortie. Je commence à être fort à ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, moi j'aime bien. Il est super cool le principe du jeu. C'est un petit jeu détente, casse-tête un petit peu et tout. Moi je dis franchement, il est bien cool. Attendez, là ça va être chaud mon vieux. Regardez, des fois faut regarder en arrière-plan parce qu'on a des petits tutos. Donc là, ok, ça va être plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Yes, impeccable. Nickel. Où est-ce qu'il m'emmène? D'accord. Alors attendez. D'accord, donc ici, tranquille, tac, et en fait, si vous regardez bien, on est dans un entrepôt et tout, franchement, ils sont super cool, les décors, c'est vraiment stylé, moi, perso, je kiffe, quoi, alors, attends, bah ouais, forcément, l'échelle, ça nous emmène nulle part, faut qu'on fasse un petit F comme ça, qu'on réfléchisse un petit peu, donc, voilà, ce serait plus, comme ça, je dirais, voilà, donc là, l'échelle. Ah, faudra faire gaffe parce que va pas falloir se prendre ça en fait. Ok, ça c'est cool. Donc on va faire comme ça. Voilà, tac. On va mettre ça comme ça. Ok, nickel. Ensuite, plutôt comme ça. Parfait. Et ensuite, ce sera plus... voilà. On n'est pas obligé de les mettre en face, hein, les machins à chaque fois. Mais c'est moi, j'aime bien, je trouve ça joli. Ça, voilà. C'est pour ma satisfaction personnelle, voyez-vous. Donc, ok. Là, normalement, si j'ai bien calculé mon coup, ça devrait le faire. Easy, je pense. Alors, attendez, hop, je prends la clé, je fais tac, je descends en bas. Tac, 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 ok. Donc, c'est là qu'il va falloir faire gaffe, je pense. Ok, nickel. Pour l'instant, c'est sans problème majeur, on va dire. Là, je prends la clé, tac. Ok, nickel. Impeccable. La petite porte, tac. Et la sortie, bien entendu. Et franchement, ça va. Je me démerde plutôt bien. Ok, on atterrit par ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Attends. Qu'est-ce que ça va être? Ah d'accord, putain, ça va être chaud là. Ouais, attendez. Attendez, c'est bon, j'ai compris, regardez. Regardez. Voilà, on va faire ça déjà. Voilà, d'entrée, on fait ça. Tac, voilà, on revient. Je pense que, voilà, le truc il a bougé. Ok, ça c'est cool. Donc c'est parfait. Par contre, comment que je vais faire? Ah si, je comprends, regardez. Voilà, regardez. On va plutôt passer comme ça. Voilà, donc là,
Hop, tac. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, je vois. Hop, tac, ça va être comme ça. Voilà, comme ça, tac. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Tac, ok. Donc là, tac. Et là, ce sera la sortie. Normalement, normalement, c'est bon. Je pense, on prend l'ascenseur. Tac, voilà, ok. Petite échelle, ok. Ascenseur. Ah, j'ai pas prévu celle-là. Ah merde, j'ai pas prévu celle-là. Ah bah si, c'est bon, attendez. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ok, c'est bon, regardez. Regardez, regardez. Tac, donc ici, voilà, comme ça. Tac, on va bouger la manivelle. Vous voyez que ça devient un peu plus complexe, là. Plus le temps passe, plus ça devient complexe. Tac, un coup en bas comme ça. Oh yes, franchement, j'adore. C'est super stylé, c'est un truc de fou, quoi. C'est trop stylé, franchement. Ils ont vraiment bien géré les développeurs du jeu et tout. Alors attends. Waouh, ça y est, j'ai sauté direct. Waouh, là par contre, ça va vraiment commencer à être la merde et tout. Ça va être un truc de malade, quoi. What? C'est quoi ce casse-tête encore? Attendez, ça va être très simple. On va chercher la clé dans un premier temps. On va revenir. Ensuite, on va prendre cette porte par celle-là. On va descendre, tac, tac, tac. Voilà, ensuite on prend l'échelle juste ici. Tac, ok. Tac, là on va tirer la manivelle. Voilà. Qui va nous emmener attends, 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 putain, je suis perdu mon vieux. Je suis perdu, c'est un truc de fou. Je suis trop perdu, quoi. Non, qui va nous emmener ici. Voilà. Et donc là. Et donc là, ce sera la sortie. Oh, le délire. Je sais pas si vous suivez. Moi, j'arrive à suivre, vite fait, on va dire. Voilà. Là, ça va être comme ça. Attendez, on va voir si j'ai bien géré mon coup. Donc, la manivelle. Ok, voilà. J'ai la clé. Ah merde, j'ai pas ramassé la clé. Mais non, mais j'ai pas ramassé la clé. Faut y retourner. Ok, on ramasse la clé. On y va. On passe par là, tranquille. Voilà, on descend. On tire. Non, on prend la manette. Ok, d'accord. On ouvre la porte. Ah ouais, va falloir aller vite en fait. Voilà, on ouvre la porte. On s'empresse de tirer la manette. Là, on monte, vite fait. Ok, tac, 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 tac. Non, ça n'a pas marché. D'accord, d'accord, regardez. Ça va le faire, je pense. Si je me dépêche, on va essayer de faire comme ça. Il faut tirer la manette, tac. Ah non, ça marche pas comme ça. Si, 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 ça marche. Ça marche, ça marche. Yes. Wouh. Impeccable, nickel, c'est bon. Oh, comment que c'était chaud, quoi, quand même. Il y a des fois, franchement, c'est super hardcore, quoi. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, je descends comme ça. Putain, mon vieux, il y a carrément des trampolines et tout. Laisse tomber, on va de surprise en surprise là-dedans. C'est un truc de fou, quoi. Ok, d'accord. Et voilà, les gens. On a fini la démo de The Pedestrian. Voilà, donc franchement, c'était bien cool. Et bien, si vous avez kiffé, les gens, vous pouvez toujours laisser un petit like. Pourquoi pas partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis, si vraiment vous avez kiffé, et ben dans ce cas, j'achèterai le jeu. Et puis, on fera... un petit tour de ce Pedestrian. Ça peut toujours être cool. Sur ce, les gens, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez toujours cliquer sur les petites vidéos à droite, à gauche. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye!